Tout d'abord, c'est très rare d'avoir une photo de groupe comme celle-ci avec six grands acteurs. C'est un vrai casting choral. C'était le cas également pendant le tournage d'essayer de créer une troupe. Oui, c'était le but de créer une troupe, de bien s'entendre afin que notre équipe à l'écran soit convaincante. Sauf pour lui, parce qu'il est mort, donc il n'est pas dans le film. Absolument. Je ne suis plus qu'une idée, un concept. Je les soutiens moralement. Oui, par solidarité. Non, mais il est là parce qu'il vit à Londres, donc il passe une tête. Oui, on s'est dit qu'on allait l'inviter. Il viendra avec nous à LA la semaine prochaine. Quand vous acceptez de faire ce film, vous vous dites que c'est super et que ça va être amusant, ou que ça va être beaucoup de travail à cause des effets spéciaux. C'est un peu des deux. C'est un peu une bataille entre s'amuser, s'émerveiller et travailler dur. Mais l'amusement et l'émerveillement sont toujours vainqueurs. Oui, je suis d'accord. Parce que mon personnage est en partie en image de synthèse. C'était assez difficile à appréhender. Mais j'ai travaillé avec la meilleure équipe d'effets spéciaux. Et puis, Zack Snyder maîtrise parfaitement ce genre de film avec beaucoup d'effets spéciaux. Ça m'a énormément rassuré de pouvoir leur faire confiance. We have to be ready. You, me, the others. There's an attack coming from far away. Not coming, Bruce. It's already here. The others. Where are they? Arthur Curry, the Aquaman. It's on him. Organic and biomechatronic body parts. He's a cyborg. You should probably move. Barry Allen. Whoever you're looking for, it's not me. They said the age of heroes would never come again. It has to. What are your superpowers again? I'm rich.